Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing. Unboxing aujourd'hui de chez Ares avec un bon vieux pistolet mitrailleur Thompson EBB. Cette réplique me vient de chez Airsoft Entrepôt. Donc on a une boîte en carton avec une poignée avec les deux visuels des modèles proposés, donc MA1 et 1928. On va avoir des infos sur les côtés. Alors, ouvrons ça. C'est foutu. Là. Bon, l'emballage est un peu bizarrement foutu. Je pense que ce soit bien réutilisable, hein. On a une plaque en mousse, ce qui est original, et en dessous, on découvre des papelards. Et voilà. Évidemment, j'ai pris la 1928 parce que c'est la seule réplique de 1928 qui existe, qui soit alors, outre la version WE avec le kit Mafio, mais qui coûte beaucoup trop cher. C'est la seule version qui soit réaliste, qui est la bonne crosse et le levier sur le dessus et donc, ben, voilà. Donc une crosse en bois véritable. Le bois est assez joli. On retrouve également le drum. Un joli drum. Est-ce qu'il est en acier? Je vais vérifier. Je vais prendre un aimant. Ouais, c'est de l'acier. La fixation de la crosse, c'est du Zamac, hein, visiblement. Je garde les dents de côté, au cas où. Et enfin, le PM en lui-même. Alors, on a une tigette. Des bourrages, ça c'est bien aussi. On a une petite carte Ares avec un QR code derrière. Voilà, sûrement pour le manuel d'utilisation. Alors je vais mettre un peu la boîte de côté. C'est vraiment de la classe. Hein. C'est vraiment la classe internationale, ce PM. J'ai toujours voulu en avoir un, mais j'ai jamais voulu prendre le King Arm qui n'était pas réaliste au début. Après, ils ont fait la version avec le levier sur le dessus, mais avec la mauvaise crosse. Donc, je voulais toujours pas le prendre. Et j'ai vu que AE avait rentré hier des 1928 de chez Ares, qui elles ont la bonne crosse. Donc j'ai sauté sur l'occasion.
place le drum. Et là, on a le PM le plus classe de tous les temps. Alors franchement, il y a un léger jeu au canon, je vais voir si ça peut se régler. J'espère que ça ne sera pas aussi fragile que sur les WE ou Marui. Alors franchement, c'est top, hein, c'est beau. Le bois est joli. La réplique est en elle-même est très jolie aussi. Bon, franchement, c'est ça a l'air de valoir ces 600 balles. Après, à voir comment ça fonctionne, hein, on verra tout ça en détail dans la review. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé ce petit unboxing jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine. Salut!